Bonjour, ici Vincent Roland Abimendi, mannequin professionnel. Donc, je suis venu faire le casting de Algay. Et au vu du nombre de mannequins présents, cela promet. Parce que la présence des mannequins souvent dit beaucoup sur l'événement qui se produit. D'ailleurs, je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup d'anciennes gloires, on va dire, des mannequins et tout. Et voilà, je vois que la chose est très professionnelle déjà, pour commencer. Et je sais que ça va promettre, en tout cas. Merci. Salam, je m'appelle Papa Amdifal, je suis mannequin, modèle photo ici au Sénégal. Et on a apprécié le casting, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. On a apprécié le professionnalisme qu'il y a eu. Tout a été bien organisé, je pense. Abdoulaye Hadgay, directeur artistique de la maison de couture Algay Dakar. Nous sommes là aujourd'hui au complexe Sadian pour faire le casting de Algay Dakar 2023. Aujourd'hui, on avait décidé de prendre 28 filles et 15 garçons, donc dont au total 40 mannequins pour le show de 2023. On a eu les filles qu'on avait donc imaginées pour dessiner les collections et autres. Et pour les hommes aussi, je pense qu'on va en avoir, même s'il ne sera pas complet, la liste ne sera pas complète. Parce que là, on avait du mal à avoir vraiment le nombre d'hommes qu'on a voulu pour ce show-là. Pour l'événement, c'est juste la présentation donc, de la collection. Couture, pour ne pas dire haute couture, parce que la maison a une autre démarche maintenant. On est en train de développer une mode, mais
plus inclusive parce que là, on fait plus de travail manuel, donc la manipulation textile, le perlage et tout. Et c'est ce qu'on veut vraiment montrer aux populations qui vont venir pour découvrir donc, la nouvelle démarche et la nouvelle vie, annoncer la nouvelle vision de la marque Alguier Dakar. Ouais, pour les hommes qui n'ont pas de barbe, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai déjà dessiné 3 collections pour les hommes. Mais le problème est que la présentation de ces collections-là, on veut vraiment que ça soit international. Et là, sur ce qu'on voit sur les podiums internationaux, les hommes n'ont pas de marbre. Et moi, personnellement, ce que je veux vraiment inciter nos mannequins, hommes, et tout comme femmes, à décrocher des contrats sur le plan international. Ça ne sert à rien de les faire défiler ici et tout reste à Dakar. Parce que quand on parle de mode, là, on parle de tout ce qui est vraiment ici et ailleurs. Salut, je m'appelle Océane Périgné, je suis gabonaise et je suis actuellement au casting du défilé de Alguier. Alors, mes impressions sur le casting, c'était assez stressant. C'est l'un des castings les plus stressants pour moi. Mais bon, ça va maintenant. Bonjour, je m'appelle Fatima Saho, je suis mannequin. Donc, je suis venue aujourd'hui pour le casting de Alguier. Donc, bon, on nous a appris et voilà, je suis contente. Donc, on attend le défilé. Bonjour, je suis Sandra Elinga, je suis mannequin du Congo Brazzaville et je réside ici au Sénégal. Et pour le casting de Alguier, en tout cas, c'est pour une deuxième fois. Les choses sont normales, il n'y a pas de tricherie de dire parce qu'on n'est pas du pays, mais en tout cas, il n'y avait pas de stress. Je suis tellement contente d'être sélectionnée parmi des mannequins. Merci. Salut, moi c'est Vincent Mendy, mannequin professionnel. Donc voilà, j'étais venu pour le casting de Alguier, qui s'est d'ailleurs très bien passé. Le casting s'est très bien passé, ça a été professionnel et Dieu merci, j'ai été choisi. Donc je sais que ça va promettre parce que je suis de la partie. Merci. Bonjour, je m'appelle Alamine Diop, mannequin professionnel. Je mesure 1m93. Mes impressions pour le casting, ça va être un événement très important, ça va être un très grand show et nous soutenons vraiment la hâte pour cet événement. Merci.